Et yo tout le monde, c'est Tchouaï, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vérité sur la paralysie du sommeil. Donc certains d'entre vous m'ont déjà proposé de faire ce sujet, et après intéressement de ce sujet, on va dire ça comme ça, après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était assez sympa à vous expliquer, et surtout que je vais pouvoir vous parler de ma propre expérience. Ma vie privée, tu vois. Donc je vais pouvoir vous raconter un petit peu tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, portez-vous bien, ciao tout le monde, voilà. Non, en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'habitude. On tape les 1800 likes, défi du jour, et c'est parti. Alors il est dit que l'on ne connaît pas vraiment ce qu'est la peur tant qu'on ne connaît pas la paralysie du sommeil. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vécu ce phénomène, ont peut-être déjà eu peur ou ont sûrement paniqué à cause de tout ça. En tout cas, il faut savoir que lorsque vous êtes endormi, vous êtes paralysé. C'est un système défensif du corps humain pour ne pas être blessé lors de vos rêves. Admettons, vous rêvez que vous êtes en train de sauter en parachute, vous sautez de votre fenêtre, forcément, ça ne va pas le faire. Donc c'est un système défensif qui est mis en place tout simplement par notre cerveau. Et parfois, il arrive que celui-ci est défaillant. Alors quand vous bougez dans votre sommeil, c'est tout simplement du somnambulisme. Voilà pour mettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t, comme dirait ma grand-mère. Voilà. La paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui est assez fréquent et surtout très effrayant pour celui qui le vit. C'est pas dangereux, ça faut. Si un jour je peux vous aider à vous détendre pendant ce phénomène qui peut arriver à chacun d'entre nous, eh bien repensez à cette vidéo. Il faut savoir que c'est en aucun cas dangereux. Ça consiste à se réveiller d'un sommeil et de ne plus pouvoir bouger, d'où son nom. Ça donne une sensation d'être paralysé, tout simplement. On continue à respirer, il y a donc un mouvement de notre corps, mais les mouvements volontaires sont impossibles. C'est-à-dire que lorsque vous vous réveillez, vous vous tournez, vous ouvrez les yeux, vous bâillez, vous vous étirez les bras, là, hein, hein. Sauf que là, eh bien, vous respirez, vous commencez à ouvrir les yeux, et plus rien ne se passe autour de vous. Vous n'êtes maître de rien, et même pas de votre corps. Ça donne cette sensation d'être paralysé. Hein, justement comme je viens de vous l'expliquer. C'est donc forcément très angoissant et parfois associé à des hallucinations. On croit être agressé ou qu'il y a quelqu'un dans la pièce, tout simplement puisque le cerveau est éveillé mais le corps est encore endormi. Il se trouve toujours dans une phase appelée le sommeil paradoxal, hein, le sommeil où tu commences à te réveiller, où tu n'es pas en train de reprendre des forces, contrairement au sommeil profond, dans lequel il n'y a plus du tout de tonus musculaire, d'où le fait d'avoir l'impression d'être paralysé. C'est un éveil incomplet, et cette paralysie arrive très fréquemment au moment du réveil. Beaucoup moins lorsque on est en train de s'endormir, forcément, puisque bon, quand vous endormez, vous n'êtes pas encore complètement paralysé, vous cherchez votre position, etc., etc. Il y a de fortes chances que si un jour ça vous arrive, je ne vous le souhaite pas, que ça se fasse au moment du réveil. Il y a une espèce de justement de dissociation entre le cerveau et le corps qui se met en mode veille, tout simplement. Et quand il se met en mode veille, eh bien, il perd tout contrôle des mouvements pour pas que vous soyez dangereux pour vous-même. En plein milieu de la vidéo, je vais vous raconter un petit peu mon expérience, qui n'est pas la paralysie du sommeil, mais l'expérience d'une paralysie. J'ai été paralysé, moi, lorsque j'étais plus jeune. C'est très compliqué. J'ai chopé, si vous voulez vous intéresser, un purpura rhumatoïde. Alors en fait, j'avais chopé une grippe, j'ai fait un surplus de sport, etc. J'ai rechopé une merde par-dessus, ce qui fait que j'ai commencé à avoir des plaques rouges sur le corps au niveau de l'abdomen, au niveau des cuisses et des mollets, comme si en fait j'avais des ronds comme des gommettes rouges sur mon corps. Et je ne savais pas ce que c'était, donc à ce moment-là, j'étais en centre aéré, je crois, et il y a une fille, elle fait « Ah, mais moi, je sais ce que c'est, des piqûres d'araignée, ils pondent leurs œufs dedans, je suis allé ferme ta gueule !» Elle a dit complètement de la merde, enfin bref, en plus, elle m'a fait baliser, tu vois, j'avais 6-7 ans, je crois, à cette époque-là. Bref, on est allé voir un dermato, le dermato a dit « Je comprends pas, je sais pas ce que c'est ». On devait partir en vacances au ski avec le travail de ma maman, donc on est parti au ski pendant une semaine. Et je me rappelle très bien, c'était une soirée casino. Donc soirée casino, c'était avec donc des jeux de casino, mais du faux argent. Et avec cet argent, tout le monde avait la même somme à cette soirée. Et quand tu jouais, bah, tu regagnais ou tu perdais. Et à la fin, avec cet argent, tu avais une mise, t'avais des enchères pour gagner, je sais pas, un saucisson, une bouteille de vin, plein de trucs comme ça. Et à un moment, je me suis senti mais pris d'une fatigue.
mais d'une fatigue comme vraiment vous en avez pas connu, genre tout va bien, et d'un coup j'ai demandé, je fais, est-ce que je peux me poser sur une banquette? Je me rappelle très bien, elle était verte. Je me suis posé sur la banquette, et petit à petit, mon corps il s'est recroquevillé, voilà, en position fœtale. Tu sais, où genre tu baisses ton dos, tes jambes se... Enfin, en tout cas, tes cuisses reviennent au niveau de ta poitrine, tu te mets en boule. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis mis à pleurer, je pouvais parler. Ma mère est venue et je lui ai expliqué qu'il était impossible pour moi de bouger. J'étais donc paralysé. Je n'ai pas pu me lever de toute la nuit, je n'ai pas pu faire un seul mouvement. On a appelé les urgences qui nous ont dit, comme on était en station, qu'ils pourraient venir le lendemain matin. En tout cas, c'est un médecin qui est venu le lendemain matin. Et il est venu, il a fait son diagnostic, et lui, on lui a expliqué qu'on était allé voir un dermatologue, et il nous a dit, il fait, je comprends pas, moi je sais direct ce que c'est un purpura rhumatoïde, il faut l'emmener directement aux urgences, sinon il peut mourir. Donc le il, c'est moi. On m'a emmené aux urgences, j'avais mangé une pomme, forcément, dans les routes de montagne où t'es à l'envers dans la truc, j'ai vomi la pomme, vous avez tous les détails. Hein. Je commençais un peu à reprendre du poil de la bête, à pouvoir un peu bouger, etc., mais vraiment pas beaucoup. Et en fait, comme j'avais 6-7 ans, le médecin urgentiste m'a expliqué de façon à ce que je comprenne. Il m'a expliqué, suite à mon surplus de sport, ma grippe que j'avais chopée par-dessus, etc., ça s'est transformé en ce purpura. Et fallait imaginer, il y a deux types de purpura, c'est-à-dire le premier, soit t'as pas assez de globules blancs pour combattre en fait la maladie, soit tu en as trop. Et moi j'en avais trop. Et j'avais beaucoup trop de globules blancs il m'a expliqué, t'imagines, c'est des petits soldats qui sont dans ton corps et qui se battent contre le virus avec plein de petites épées et des petits fusils, etc. Et comme ils sont trop, c'est un petit peu pas très coordonné. Et il me tapait moi-même. Il tapait contre mes parois du corps, ce qui me faisait des mini-hémorragies internes, ce qui explique tout simplement toute cette petite gommette rouge que j'avais en dessous la peau. C'était tout simplement des mini-hémorragies internes, et je pouvais tout simplement faire une vraie hémorragie interne à un moment donné. Donc bref, là je vais arrêter d'expliquer un petit peu tout ça, je me suis soigné, etc. Il n'y a pas de problème à ce moment-là, mais ça peut revenir à n'importe quel moment, c'est-à-dire que maintenant, tout de suite maintenant, je peux réavoir le purpura d'un coup. C'est un truc que j'ai dans le sang maintenant, enfin bref. Tout ça pour vous dire que vivre un moment de paralysie, c'est très très désagréable et c'est très flippant. Tu ne contrôles plus rien, tu as peur, tu paniques parce que tu te demandes mais combien de temps ça va durer, est-ce que je vais devoir être en fauteuil? Surtout que moi je faisais du basket à ce moment-là, j'étais très sportif. Voilà, je me voyais pas finir ma vie avec une petite manette parce que je pouvais même pas bouger les bras, tu vois, genre à devoir télécommander mon bordel. J'étais pas bien, je me suis rendu compte, putain, que... Merde, j'étais paralysé à ce moment-là. Et vraiment, c'est un truc que je vous conseille, enfin déconseille vivement, c'est d'avoir un jour cette expérience, c'est horrible. On en revient justement à ce sommeil qui vous procure cette paralysie. Il faut savoir que ce n'est pas dû à n'importe quoi. Il y a une hygiène de vie à avoir. Si vous vous couchez en décalé, si vous vous réveillez en décalé, je sais pas, genre pendant un an, un jour, à chaque jour vous vous levez, je sais pas, vous vous couchez à 17h, vous vous réveillez à 5h, le lendemain 22h, vous vous réveillez à 10h, enfin tu vois, si t'es trop décalé, que t'as pas une bonne hygiène de vie, que t'es fatigué, ça peut t'arriver. Le sommeil et le réveil font jouer un très grand nombre de mécanismes qui doivent être coordonnés. Parfois, cette coordination, comme je vous l'ai dit, ne fonctionne pas très bien. Cela arrive lorsque vous souffrez de narcolepsie. La narcolepsie, ce sont les gens qui s'endorment n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Tu sais, par exemple, il peut te parler et je boum, tu vas entendre un gros bruit parce que le gars, il s'est endormi. C'est une maladie qui est assez importante et très difficile à gérer. En tout cas, c'est les seuls moments où vraiment tu peux expliquer les paralysies du sommeil, sinon ça peut t'arriver alors que tu n'es pas narcoleptique, évidemment. Au moment de cet éveil qui est incomplet et qui persiste chez la personne, toute la partie hallucinatoire, en fait la partie qui fait fonctionner le rêve, mais aussi les respirations qui sont parfois oppressantes, genre tu vois, tu respires parce que t'as peur, quand tu te réveilles d'un cauchemar, la transpiration, tout plein de choses, eh bien c'est à ce moment-là que le cerveau s'éveille. On aperçoit toujours cela car le corps est dans un état de rêve, c'est ça, comment dire, ça suscite l'angoisse, en fait vous commencez à paniquer, on se demande ce qui se passe, si ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va reprendre, etc. Comme je vous ai expliqué pour ma propre expérience. Tout cela augmente l'angoisse et les hallucinations. Si on comprend que ça, c'est pas grave, et qu'on l'assimile et que cette paralysie va passer, ça peut très bien se passer. Si on commence à paniquer, on peut faire ensuite des malaises. Ça peut être dangereux à ce moment-là. Tout devient en fait très angoissant, tu commences à paniquer de ouf, et si tu arrives à te calmer, à comprendre, s'il y a des gens autour de toi pour t'expliquer et qui savent ce que c'est, tout devient beaucoup moins angoissant forcément.
ces phases de paralysie du sommeil créent des croyances dans certaines religions, comme je vous le dis, ça s'appelle le diable de nuit, qui vient te punir de certains péchés dans certaines religions. Et en fait, les gens, quand il n'y avait pas vraiment d'explication de ces paralysies, lorsqu'ils étaient victimes de ça, on leur expliquait que c'est le diable du sommeil qui vient les punir pour avoir péché. Donc, forcément, on sait que c'est pas vrai, c'est une expérience extraordinaire de vivre cette paralysie du sommeil, donc tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est normal d'y mettre ensuite, puisque lorsque l'homme ne sait pas ce qui se passe, on cherche toujours une explication, que ce soit j'ai perdu le fil de mon truc, on cherche des explications scientifiques ou alors extraordinaires, puisqu'on a besoin de mettre des mots sur quelque chose, sinon on panique. Et donc, dans certaines religions, comme on savait pas ce que c'était, forcément on pensait que c'était des trucs extraordinaires, il y avait des connotations un petit peu bizarres. Par exemple, dans l'Antiquité, les rêves ont toujours eu une place importante, hein. Ils ont toujours porté une signification surnaturelle. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Ils savaient pas vraiment ce qui se passait, donc il y avait une connotation surnaturelle. Ils parlaient d'oracles, par exemple, de prévisions. Nos rêves étaient des prévisions sur ce qui allait se passer. Il y a toujours eu plus ou moins des significations plus ou moins saugrenues et extraordinaires. Bon, maintenant, avec la science actuelle et les recherches qu'on fait, on a réussi à écarter toutes explications qui peuvent être surnaturelles ou non expliquées. On l'explique tout simplement avec les recherches, etc. Voilà pour ce qui est de mon expérience et de la paralysie du sommeil. C'est un moment très très angoissant, très flippant. Si un jour vous le vivez, prenez votre temps, réfléchissez, respirez, appelez du monde pour savoir si vous n'êtes pas en train de délirer ou si vous êtes vraiment éveillé. Pensez à ce que vous connaissez déjà, par exemple à cette vidéo ou alors des articles que vous avez pu lire. Et tout se passera bien, ce n'est pas dangereux, faut juste pas paniquer, voilà. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que vivre un moment de paralysie, que ce soit de la paralysie concrète ou une paralysie du sommeil, c'est très perturbant et c'est vraiment, c'est indescriptible. Faut le vivre pour le comprendre. Quand on voit des gens dans des chaises roulantes, on ne peut pas le comprendre. Même moi qui ai déjà vécu entre guillemets ça, j'arrive à comprendre une partie de leur souffrance et du mal-être qu'ils peuvent avoir, ces gens-là, mais je peux pas le comprendre à 100% puisque moi j'ai été paralysé pendant à peu près 24 heures. Tu te sens comme une merde, tu te sens inutile, tu te sens vraiment pas bien, t'as besoin de tout du monde. Genre, j'étais petit, ça m'a pas choqué, mais on me portait pour aller aux toilettes. C'est une infirmière qui m'a fait ma douche. Donc, genre, en plus, t'es humilié, t'es tout nu devant quelqu'un que tu connais pas, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, c'est très humiliant d'être dans ces positions-là. Et voilà, en tout cas, si je peux avoir changé ne serait-ce qu'un petit regard sur ces personnes-là, ayez de la compassion pour ces gens, pas forcément de la pitié, mais de la compassion, parlez-leur comme si c'était des gens normaux et pas des personnes handicapées, ils en ont besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien, ciao tout le monde.